Bonsoir, bienvenue sur le Gospel World. Cet après-midi, j'ai sélectionné pour vous des livres qui sont sortis tout droit de ma bibliothèque et qui ont marqué mes premiers pas spirituels. On a parlé du caractère. Effectivement, Dieu nous appelle à revêtir son propre caractère. Voilà pourquoi c'est avec joie que je vous présente cet ouvrage d'André Muret, Comme Christ, un ouvrage qui m'a particulièrement marqué. Dedans, André Muret nous incite à contempler la personne de Christ dans toutes ses vertus de manière à pouvoir l'imiter. Il nous est demandé d'être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Il dit que nous devrions être comme Christ en supportant la souffrance, en étant crucifiés avec lui, en renonçant à nous-mêmes, comme Christ dans son amour, dans la prière, comme Christ dans son humilité, en pardonnant, en le contemplant. Voilà des moyens simples de pouvoir parvenir au caractère chrétien. Un deuxième livre que j'aimerais vous présenter de Jerry Bridge, vous voyez, c'est un livre que je détiens depuis plus de 14 ans, L'exercice de la piété. La piété, c'est quoi? C'est tout simplement la dévotion à Dieu qui conduit au caractère chrétien, qui conduit à une vie qui lui est agréable, tout simplement. Alors, il va nous donner des aspects dans lesquels nous pouvons travailler notre caractère et des vertus que nous devrions acquérir, comme l'humilité, le contentement, la reconnaissance, la joie, la fidélité, la patience, la douceur. Ainsi, dans ce livre, vous trouverez des exercices pratiques, simples, pour pouvoir vous améliorer jusqu'à atteindre, grandir jusqu'à atteindre la hauteur de cette girafe d'Hermann. Non, je vous embête, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Dernier livre que j'aimerais vous présenter, ce que je suis, ce que je possède, ce que je peux faire en Christ. Dans ce livre, ils sont réunis les versets qui parlent de l'héritage que vous avez reçu parce que vous avez fait de Christ le maître de votre vie, ce que Dieu dit sur vous parce que vous êtes en Christ, ainsi que ce que vous possédez, ce que vous pouvez faire. Donc, en méditant ces versets, en les confessant, de plus en plus, vous verrez le travail et le caractère de Christ se former en vous. Je vous souhaite bonne lecture et que Dieu vous bénisse. Bon après-midi sur le Gospel World.